pour ne pas dire qu'il ne savait pas. Voilà. À un moment donné, quand quelqu'un est blessé, vous devriez le dire beaucoup plus souvent. Parce que quand même, pas défendre les causes à la con. Mais ils savent éviter des grosses violences, je sais. Bon, par contre, c'est débile. Attention! Ça va là, hein? Et vous n'avez pas retenu les leçons de Notre-Dame-des-Landes, j'ai l'impression, messieurs. Ah mais ça va terminer pareil. Vous allez avoir deux ou trois morts, on va parler de vous, et puis ça va repartir pareil, et un jour un politique va dire on arrête tout. C'est dommage que vous n'ayez pas un peu de jugeote. Il y a un colonel là-bas, c'est à lui qu'il faut le lui dire. Plus, ça fait des mois que déjà. Eh bien, ce monsieur, le colonel, il n'a qu'à venir discuter. Hein. Il discutera pas. On peut discuter, c'est mieux peut-être que de s'envoyer des projectiles. Il supervise les choses. Il n'est pas là pour discuter. Ben si, on est toujours là pour discuter, on parce peut toujours... Au-dessus de lui, il y a quelqu'un qui supervise, il y a un préfet derrière. Oui, le préfet, il est bien au chaud. Et bien après, il y a un ministère, parce qu'ils sont toujours en liaison. Ah non, ils s'en foutent de savoir contre qui c'est. C'est pas grave, c'est pas grave. Le voir à lui. Ça veut dire que quand il y a mort ou un blessé, eh bien le gouvernement est strictement responsable. Ouais, et celui qui l'a fait, bien sûr. Ouais, c'est et celui qui l'a fait, même s'il avait l'ordre.